Bah, tu peux être fier de toi, Mike, parce que du coup, grâce à toi, on a le totem. Ouais, je suis vraiment content. On va mettre là pour que tout le monde voie et admire comme je suis fort. Comme l'équipe jaune est fort. Ouais. Enfin bref, qui a faim? Le riz est là-bas. Attends, je vais le prendre si tu veux. D'accord. Tac. Vous avez... Vous pensez que la prochaine épreuve sera facile ou difficile? Bah, je sais pas. Bah, peut-être au même niveau que celle d'hier. En tout cas, ça serait une épreuve de confort, ça c'est sûr, parce que ben on a déjà fait une épreuve d'immunité. Ouais, et puis on aimerait bien avoir un petit peu de nourriture. Ouais, je crois que normalement dans les épreuves de confort, soit on a des lettres ou soit on a de la nourriture, je sais pas. Ouais, d'habitude c'est ça. Mais enfin bref, on va aller dormir parce que ouais. Si demain on a l'épreuve de confort, il faut qu'on aille dormir parce qu'on a terminé de manger. Qui veut d'autres nourritures? Personne. Ouais, je crois que personne. Et puis on va en laisser un peu pour les autres fois. D'accord. Allez, tout le monde dort. Bon, bah, il y a une personne en moins, ça, c'est pas grave. On n'a pas beaucoup d'écart entre les jaunes. Bah, oui, c'est vrai, mais bon... Bah, ouais. Qui a faim? Bah, on vient de manger, là, non? Et qui a refaim? Bah, personne, je crois. De toute façon, il en faut laisser parce qu'on n'est pas au bout de l'aventure encore. Ouais, d'accord. Allez, ouais. On va se coucher. Oh. Elle est déjà là, la bouteille. Bon, là, j'évite appeler les autres, là, parce que... Hé, hey, les gens, les gars, là! Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardon. Oh, il y a la bouteille? Oui, c'est pour ça que je vous appelais. Ah, bah. Bon, ça va être une épreuve de confort cette fois, ouais, parce qu'on a quand même besoin d'un petit confort. Bah, de toute façon, on alterne, ça c'est confort. Enfin, d'habitude, si c'est confort, après c'est. Unité. Oh, il y a mon voisin là qui commence à tomber. Enfin bref, c'est pas grave. Vite les gars, on se dépêche à manger. Déjà, faut que tu lises ce qu'il y a dedans, en fait. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde est levé? Bah oui. Bah très bien, alors je vais lire ce qu'il y a dedans. En escalade, il va falloir être fort pour pouvoir gagner l'épreuve de confort. Ah ben alors, c'est qu'il faudra escalader un arbre ou quelque chose comme ça. Moi ça va, je suis bien en escalade, mais qui ne sait pas trop bien escalader? Bah, je crois qu'on sait à peu près tous escalader un arbre, donc... Ouais, moi, nous, on est des athlètes, ouais. Bref. Bon, bah, on va pas avoir du mal là pour cette épreuve, du coup. Ouais, tant mieux, parce que c'est vrai qu'on aurait quand même besoin d'un petit peu de nourriture. Bon, faut y aller quand même. Attendez-nous. Ah, salut. Salut. Ah bah il y a déjà la bouteille on dirait. Ah quoi déjà, on a même pas le temps de manger, il doit être quelle heure? Il doit être 9h sûrement. Ah oh, ouais, il est un petit peu tard. Bon, il faut réveiller les autres. Oui j'ai entendu du bruit, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a déjà la bouteille, donc il faut réveiller les autres. Ah oui. Et réveillez-vous. Pourquoi vous... On entend du bruit là. Vous parlez? Oui, il y a déjà la bouteille. Qu'est-ce qui se passe, la bouteille là? Oh, on n'a même pas eu le temps de manger. Bon, enfin bref, nous allons lire ce qu'il y a dessus. Bah, ça se trouve, on est déjà en retard.
Alors, si en escalade, il va falloir être fort pour pouvoir gagner l'épreuve de confort. Ben, il faudra sûrement... Il faudra sûrement escalader un arbre. Qui sait pas bien grimper? Moi aussi, j'y arrive pas bien. Ah ben, écoute, alors... Faudra faire avec, de toute façon. Bon, faut y aller, hein. On n'a même pas mangé. Pas grave. On a bien mangé hier, de toute façon. Ouais. Pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, comme vous l'avez vu dans le petit papier, donc ça va être une épreuve d'escalade, donc il faudra escalader cet arbre. Donc, comme vous le savez, c'est une épreuve de confort, donc la personne qui gagnera pourra choisir une personne avec qui choisir la nourriture ou les lettres. Donc, elle viendra me voir et je vous proposerai soit des lettres, soit de la nourriture. Donc, l'épreuve va pouvoir commencer, vous pouvez vous mettre en ligne. Donc, très bien, à vos marques, prêts, partez! Vite! Ah, j'y arrive pas! Oh non! Ah! Aïe! Désolée. J'y arrive pas! Ah! Allez, vas-y, Jean! Nous, on n'y arrive pas, hein. Allez! Allez, vite, Sarah, vite! Oui! Allez, venez vers moi, vite! Oui, on a bientôt arrivé! Oui, on est arrivé! Les on filles, a gagné! Les filles, vous avez gagné cette épreuve! Oui! Je suis trop fière de toi! Moi aussi, je suis trop fière de toi! Faut que je dise aux autres que c'est fini! Stop! Oh non, on n'a même pas fait un mètre de hauteur, là! Ouais! Quoi, c'est déjà fini? Oh non, bon bah on a perdu hein. Enfin, c'est qu'on a que du rire. Moi j'aurais bien voulu avoir mon petit déjeuner moi. Ben moi aussi. Oh non, j'étais presque arrivée. J'étais bien partie moi. J'étais sur le point de gagner. Ouais, Justine et Britannia, elles ont réussi. L'équipe rouge a gagné. Bon tant pis, on se rattrapera la prochaine fois. Elles sont trop fortes, Britannia et Justine. Ouais, on a pu gagner grâce à elles. Bien, donc la course a été interrompue parce que Justine a gagné. Donc, comme dit la règle, tu peux choisir quelqu'un pour pouvoir choisir soit les lettres, soit la nourriture. Dans ton équipe, évidemment. Je pense que je vais choisir Brittany. Parce que je suis assez proche d'elle en ce moment. Voilà. Excusez-moi les autres, hein, mais voilà, c'est mon choix. D'accord, je vais vous emmener et vous ferez votre choix. Les autres, vous pouvez revenir au camp. Donc, voici. Oh, regarde. Regarde, nourriture, ça donne trop envie. Donc, ouais. Voilà, vous allez choisir entre les lettres et la nourriture. Donc, vous allez choisir et je vous laisse sur ce. Bonne journée. Merci. Ça serait tellement un bon petit déjeuner, ça donne trop envie. Mais grave. Parce que nous, on ne mange que du riz, on crève de faim et tout. Ouais, mais peut-être que les autres vont préférer qu'on prenne des lettres. Ouais, parce que les lettres, ça donne plus de confiance en soi. Enfin, on va voir quoi. On parle à nos enfants, ils nous envoient des lettres. Tout. Ouais, et puis il y a des gens qui nous manquent, tu vois. Donc on aimerait savoir des nouvelles d'eux. Ouais, je sais pas. Si je pourrais, je prendrais les deux, mais on est obligé de choisir. Puis. J'ai peur que les autres ils nous en veulent parce qu'on prend le mauvais choix. Ouais, mais bon, on est obligé. Enfin, moi je dirais plutôt qu'on prenne de la nourriture parce que déjà ça donne envie et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé du pain, des gâteaux et tout. Bah oui, en plus on a presque plus de riz. Les deux, on a même presque plus de riz et voilà. Il nous reste encore plein de jours, plein de. Bon, au revoir les lettres malheureusement. J'espère qu'ils vont pas être dégoûtés. Mais non, peut-être pas. T'aurais voulu qu'elles prennent quoi les filles? Moi? Je sais pas, ça dépend ce qu'il y a en nourriture et moi j'aurais bien aimé les lettres, voir la famille. Ouais, parce que c'est vrai qu'il nous reste du riz, même s'il nous reste plus trop en fait. Moi je pense que j'aurais préféré prendre la nourriture parce que si jamais un jour on a ouais, t'as raison, plein de riz. Parce que, en fait ça dépend combien il y a de quantité de nourriture. S'il y a 3 kilos de nourriture, c'est sûr qu'on va prendre la nourriture. Mais ouais, grave, c'est sûr. Bon, c'est pas grave. S'ils prennent les deux, enfin s'ils prennent un des deux, c'est pas grave. Hé hey, les gars, vous êtes sûrs qu'elles ont fait le bon choix? On sait pas encore. Hein. Après moi, ça m'est égal. Hein. Enfin, je veux dire, ça serait bien d'avoir les lettres parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la famille. Mais ouais.
Mais la nourriture aussi, on en a besoin. Ouais, parce qu'en plus, il nous reste plus beaucoup de stock de riz. Et je sais pas s'ils vont nous en donner encore, donc... J'aimerais bien quand même qu'elle prenne la nourriture. Ouais, mais c'est bien aussi d'avoir des nouvelles de la famille, parce que sinon, ça nous donne plus confiance en nous, la famille. Ouais, mais j'ai pas envie de crever la dalle, hein. Ouais, ben moi non plus. Ok. Hey les gars, regardez ce qu'on a pris. Oh ouais. Cool. Mais les lettres, vous avez pas pris les lettres? Mais on n'avait pas le choix, enfin je veux dire, déjà on n'a pas beaucoup de nourriture, vaut mieux qu'on prenne de la nourriture, les lettres mais ce sera pour la prochaine fois. On s'en fout, il nous reste quand même du riz. Les lettres, enfin non, nos parents ils nous manquent quoi. Vous auriez pu prendre les lettres. Et ben oui, nos parents et nos enfants, ils nous manquent. Pourquoi vous avez pas pris le... Mais en plus ça se trouve il y a des fruits dans les parages et vous avez pris on a déjà assez de bouffe comme ça là. Je suis désolée, mais on a presque en rupture de stock de riz. Ouais, j'avoue. Bah oui, je sais pas, vous avez qu'à regarder dans la forêt, peut-être qu'il y a des fruits, mais je sais pas pourquoi vous avez pris ça. En plus, c'est bourré de calories, là. Mais oui, mais au moins, ça nous fait du bien, on en mange pas tous les jours de ça. Gavez-vous. Bon, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Timéo? Je sais pas, d'habitude, il est pas comme ça. Bon, viens, qui veut? Bon, bah par contre, elles sont les filles, juste. Elles sont là-bas en train de bronzer. J'espère qu'elles vont bien aimer ce qu'on a pris parce que... J'espère qu'elles vont pas dire qu'on a pris le mauvais choix. Coucou les filles, donc on a repris de la nourriture, ça vous va ou vous préféreriez qu'on prenne les lettres? Ah mais non, ça nous va totalement, hein, t'inquiète pas. Ah oui, en plus il y a des beignets et il y a des croissants. Ouais, il y a des pains au chocolat aussi. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé, j'ai l'impression que ça fait un siècle. Ouais, ça fait même pas peut-être 3 jours. Bah oui, moi j'ai l'impression que ça fait un siècle. Bon, vite. J'ai trop faim. On se met à manger là, le goûter? Ouais. Au lieu de manger du riz dégueulasse. On appelle les autres? Ouais. Je suis quand même dégoûtée qu'on n'ait pas gagné. T'inquiète pas, on gagnera la prochaine fois. Ouais, mais la prochaine fois, ce sera une épreuve d'immunité. On pourra pas avoir de la nourriture ou des lettres. On gagnera la prochaine fois. La prochaine fois de l'épreuve de confort. Bah oui. Bah. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va faire un siècle. On va n'avoir que du riz à manger. Ouais, c'est sûr. Et en plus, c'est pas toujours les mêmes récompenses. Ouais. Vous, si on aurait gagné, vous auriez pris quoi? Des lettres ou de la nourriture? Moi, j'aurais pris des lettres, ça manque tellement la famille. Ouais, et puis il nous reste assez de riz, donc moi aussi j'aurais pris des lettres. Ouais. Même si ça donne envie, la bouffe. Bon, il y a le vin, hein, comme d'hab. On n'aura que de la nourriture, on n'aura pas de petits trucs bons à manger. Oh, la bouteille est déjà là. Eh ben, dis donc, elle va vite. Hein. Du coup, faut que je rivalise les autres. On n'a même pas mangé. Qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'il y a, Mike? J'étais en plein dormir. Il y a la bouteille. Pour une fois que je dormais bien. Mais il y a la bouteille. Ah oui, excuse-moi. Pilou, faut qu'on réveille les autres. Loli, Jean, réveillez-vous. Sarah, Charlotte. Ah, il y a déjà la bouteille. Oh, on m'a appelé. Oh, mais arrête de se crier. Oh, tu me saoules, hein. Arrête de nous faire chier. Excusez-moi, hein, mais c'est saoulant. Il y a déjà la bouteille? Oui. Ok. Désolée, je me suis pas réveillée avant. Ah, t'inquiète pas. Bon, qui lit la bouteille? Jean, je dirais que ce soit toi qui lis ta bouteille, puisque c'est toi qui la prends en premier. Pas Jean. Pardon, Mike, je voulais dire. Ouais, parce que c'est un petit problème. Oh, punaise. Et c'est trop loin. Donc, pour le petit papier, ça va. C'était. Ah. Soyez courageux et gourmands pour être le gagnant. Je crois qu'on va devoir bouffer des trucs dégueux. Oh non, moi, déjà, je suis difficile en habitude, alors là. Mais t'inquiète pas, moi non plus. Moi aussi, je suis difficile hein, pour manger. Je crois qu'on a un peu tous envie d'éviter cette épreuve. Et puis moi, ça m'écœure, les trucs dégoûtants, là, les limaces, les bêtes, je peux pas supporter ça. Déjà que s'il y en a une sur moi, je supporte pas, mais alors si je les mange, faut pas croire. Oui, dégueu, j'aime pas du tout. Bon, nous allons manger du riz et ensuite nous allons partir à cette épreuve qui a l'air vraiment difficile. Vous savez quoi, pour nous donner faim, et mangez pas beaucoup de riz, comme ça on garde un petit appétit pour l'épreuve. Ouais, comme ça on mangera tout d'un coup, voilà quoi. Il faut déjà penser à ce que les autres ils n'ont pas. Enfin. J'espère qu'en tout cas les autres aussi ils vont avoir le même complexe que nous.
Ouais, j'espère qu'ils auront pas faim. Enfin bref, du coup, au revoir la nourriture. On doit la laisser pour l'épreuve. Allez, on y va. Ouais, surtout qu'il faut quand même économiser parce qu'on doit quand même rester plusieurs mois ou plusieurs semaines dans ce Koh-Lanta. Oh, c'est tellement bon, ça faisait tellement bon. Ouais, vous avez raison, finalement, c'est quand même bon. Ah bah tu vois, Smeo, quand tu veux. Ouais, quand tu peux être d'accord avec les autres. Tu auras d'être de mauvaise humeur parfois. Ouais. Mais enfin bref, c'est quand même saoulant, donc... Oh, il y a la bouteille. Quoi, déjà? Bah, on vient à peine se lever. Oh non, on n'a pas pu profiter plus de ce discussion. On profitera ce soir ou demain. Ouais. Pour l'instant, lis le message, hein. Bah oui. Bon, l'indice dit que soyez courageux et gourmands pour être le gagnant. C'est un mauvais pressentiment parce que si c'est un truc, il va falloir manger des trucs dégoûtants. J'avais même pas pensé à ça. Oh non. Moi, c'est dur, j'aime tout. Moi, j'aime tout. Ah j'aime oui, t'aimes les insectes. Bah, c'est bon, t'aimes des insectes. Vivant. Des insectes, quoi. Mais c'est des insectes vivants, presque. Oh, bon, ça va, je suis sûr, les jeunes, ils ont le même complexe que nous, toi. Ah oui, mais moi, je suis vraiment dure avec la nourriture. De toute façon, on va en manger un plat par équipe. C'est ça, non? Oui, je pense. Bon, enfin, bref, vu qu'on a déjà mangé, je pense que c'est temps d'y aller, là. Ouais. Et attendez-moi.